À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer la partie entière d'une fraction rationnelle. Donc, dans un premier temps, nous allons ici donner la définition. On rappelle qu'une fraction rationnelle, c'est au numérateur un polynôme et au dénominateur un polynôme. Donc, pour ce faire, il va déjà falloir déterminer le degré de notre fraction rationnelle. Et le degré de notre fraction rationnelle, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Et donc, si le degré est supérieur ou égal à 0, alors il existe un unique polynôme grand E, tel que grand E soit le quotient de la division euclidienne de P par Q, et grand E est appelé partie entière de F. Donc, si le degré de la fraction rationnelle est supérieur ou égal à 0, on a une partie entière. Si le degré est strictement négatif, il n'y a pas de partie entière. La partie entière est égale à 0. On va le faire sur un exemple. Donc, en fait, ici, nous avons la fraction rationnelle. F de x est égal à 2x au cube plus 2x au carré plus 8x plus 10 sur x au carré plus 2x plus 2. Le degré de f, c'est le degré du numérateur, donc ici c'est un polynôme du troisième degré, donc c'est 3, moins le degré du dénominateur, dont le degré ici c'est 2. Vous avez fait 3 moins 2, donc le degré ici de f, c'est égal à 1, c'est strictement positif. Il existe alors une partie entière que l'on va pouvoir déterminer à l'aide de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Donc ici, on pose notre division euclidienne. Donc ensuite, la méthode, on va multiplier 2x fois x au carré, ça donne 2x au cube. 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. 2x fois 2, ça fait 4x. Et on va soustraire. Il va nous rester 3x au carré plus 4x plus 10. Donc il va falloir faire multiplier par 3. Donc 3 fois x au carré, 3x au carré, 3 fois 2x, 6x, 3 fois 2, 6, et on va soustraire, il va nous rester moins 2x plus 4. Et donc ici, on ne peut pas aller plus loin, parce que le degré ici de notre reste, c'est égal à 1, il est strictement plus petit que le degré ici, qui est égal à 2. Donc on arrête notre calcul sur la division euclidienne. Donc notre partie entière, c'est 2x plus 3, c'est ici. Et donc en fait, comment on va l'aborder ? On sait que grand F de x, c'est 2x au cube plus 7x au carré plus 8x plus 10 sur x au carré plus 2x plus 2. Or, on est capable maintenant de dire que 2x au carré plus 7x plus 8x plus 10, c'est égal à x au carré plus 2x plus 2 fois 2x plus 3 plus le reste, ici, moins 2x plus 4. Et donc ensuite, on va pouvoir décomposer. Donc on a ici une première fraction plus une deuxième fraction. Et donc on va pouvoir simplifier par x au carré plus 2x plus 2. Et on a bien ici f de x qui est égal à 2x plus 3, donc c'est notre partie entière, plus moins 2x plus 4 sur x au carré, plus 2x plus 2. Donc là, ici, on a donné la partie entière de grand F de x, et ça va nous permettre par la suite de pouvoir faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.